En installant ce point de prélèvement sur un lieu stratégique de circulation, l'objectif c'est là de capter du public qui ne se serait pas présenté spontanément et du coup de dépister aussi éventuellement plus de personnes asymptomatiques. On voit que les pays qui ont réussi à maîtriser l'épidémie, ce sont ceux qui ont intensifié le dépistage. Le coronavirus, il nous a appris à jouer collectif. C'est comment chacun prend sa responsabilité, se teste pour déjà savoir ce qu'il en est pour lui, mais aussi pour protéger les autres. Et donc de pouvoir justement collectivement réduire la propagation de l'épidémie. C'est gratuit, c'est rapide, on a pour 5 minutes au maximum et c'est simple, il n'y a pas besoin de prescription. Donc c'est vrai qu'on est dans le département dans un contexte où les indicateurs de suivi sont en hausse. Donc l'enjeu c'est de pouvoir dépister un maximum de personnes, que toutes les personnes qui ont le moindre doute, moindre symptôme puissent facilement se faire dépister. Cela ne vient qu'en complément de l'essentiel qui est la prévention, donc les gestes barrières, dans un contexte où la circulation du virus est plus active et on sait que nos comportements conditionnent l'évolution de l'épidémie. L'essentiel, c'est de bien respecter scrupuleusement les gestes barrières et d'être vigilant.